كونتار سورة البينة سورة غفل أمدين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Allah subhanahu wa ta'ala dit Les infidèles parmi les gens des écritures ainsi que les polythéistes n'entendaient pas renoncer à leur croyance tant qu'ils n'avaient pas reçu la preuve évidente à savoir un envoyé d'Allah chargé de leur réciter des feuillets exempts de toute souillure et contenant des écrits d'une parfaite rectitude Or les gens des écritures ne se sont divisés qu'après que ladite preuve leur fut administrée Pourtant, que leur a-t-on ordonné, si ce n'est de se vouer exclusivement au culte d'Allah, d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat, selon les principes de la religion et de la droiture en vérité, les infidèles parmi les gens des Écritures ainsi que les idolâtres seront voués au feu de la Géhenne où leur séjour sera éternel car ces gens-là constituent les êtres les plus abjects de l'humanité. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Tandis que ceux qui croient et font le bien, ce sont ceux-là les meilleurs êtres de la création. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها أبداً. Ce sont ceux-là les meilleurs êtres de toute la création qui auront pour récompense auprès de leur Seigneur les jardins d'Éden où coulent des ruisseaux et où ils demeureront éternellement, car Allah sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui sera réservé à celui qui aura craint son Seigneur. Alors Allah le trio dit les infidèles parmi les gens des Écritures, c'est-à-dire parmi les Juifs et les Chrétiens, ainsi que les polythéistes, c'est-à-dire parmi l'ensemble des communautés humaines, n'entendaient pas renoncer à leur croyances, c'est-à-dire qu'ils persistent dans leur égarement et leur entêtement à refuser de voir la vérité évidente, le passage des années ne faisant que les affermir dans leur incroyance, tandis qu'ils n'avaient pas reçu la preuve évidente, c'est-à-dire la preuve éclatante et décisive. Il a expliqué ensuite cette preuve en ces termes, à savoir un envoyé d'Allah, min Allah. C'est-à-dire qu'Allah a envoyé pour appeler les gens à la vérité et sur lequel il a fait descendre un livre qu'il récite afin d'enseigner aux gens la sagesse, qu'il les purifie et qu'il les fasse sortir des ténèbres vers la lumière. C'est pour cela qu'il a dit chargé de leur réciter des feuillets exempts de toute souillure. C'est-à-dire des feuillets préservés des démons et que ne peuvent toucher que les gens purifiés car ils contiennent des paroles sublimes et éminentes. C'est pour cela qu'il a dit à leur sujet et contenant des écrits d'une parfaite rectitude, c'est-à-dire des informations sincères et des directives justes qui guident vers la vérité et vers la voie droite. Une fois que cette preuve leur parvient, le chercheur de vérité se distinguera de celui qui n'a aucun but. Aussi, celui qui devait périr périra en connaissance de cause et celui qui, devrait, qui devait survivre survivra en connaissance de cause. Si les gens du livre ne veulent pas croire en cet envoyé ni le suivre, cela n'est pas nouveau pour eux dans leur égarement et leur entêtement. En effet, ils ne se sont divisés non divergés et ne sont devenus des sectes qu'après que ladite preuve leur fut administrée. Or, c'est une preuve qui implique l'accord et la cohésion. Malheureusement, à cause de leur entêtement et de leur arrogance, ils s'enfoncèrent dans leur égarement et leur aveuglement. Bien que tous les livres sacrés soient venus avec le même principe et la même religion. En effet, dans toutes les lois divines, il ne leur a été ordonné que de se vouer exclusivement au culte d'Allah. C'est-à-dire de rechercher avec tout leur acte d'adoration apparent et caché la face d'Allah et sa proximité. S'il a cité en particulier la salat et la zakat, bien qu'elle entre dans le cadre de sa parole, se vouer exclusivement au culte d'Allah, en raison de leur mérite et de leur faveur. Parce qu'elles sont les deux actes d'adoration qui, si on les applique, cela revient à appliquer tous les préceptes de la religion. Selon les principes de la religion et de la droiture, c'est-à-dire l'unicité et le dévouement dans la religion. C'est aussi la religion de la rectitude qui mène vers les jardins de la félicité, alors que toutes les autres, mènent, que toutes les autres voies mènent à la géhenne. Ensuite, il mentionna le châtiment des mécréants après que la preuve évidente leur soit venue en disant En vérité, les infidèles parmi les gens des Écritures, ainsi que les idolâtres, seront voués au feu de la Géhenne où leur séjour sera éternel. Son châtiment les cernera de toutes parts et sera rigoureux à leur égard. Ces gens-là constituent les êtres les plus abjects de l'humanité car ils ont connu la vérité et s'en sont détournés. En perdant de ce fait ce bas monde et l'autre. Tandis que ceux qui croient et font le bien, ce sont ceux-là les meilleurs êtres de toute l'humanité. Hum Car ils ont connu Allah et l'ont adoré, gagnant de ce fait la félicité de ce bas monde et celle de l'autre. Qui ont pour récompense auprès de leur Seigneur les jardins d'Éden c'est-à-dire des jardins de séjour éternel où il n'y aura aucune levée de camp, aucun départ et aucune autre aspiration, où coulent des sources et où ils demeureront éternellement car Allah sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Tajari min tahtihal khalidina fiha abada anhum wa Allah sera satisfait d'eux pour avoir œuvré à gagner sa satisfaction. Et ils seront satisfaits de lui pour leur avoir préparé ces diverses catégories de faveurs et cette considérable récompense. Voilà ce qui sera réservé à celui qui aura craint son Seigneur, c'est-à-dire à celui qui aura craint son Seigneur en s'abstenant de lui désobéir et en s'acquittant de ses devoirs.